Bonjour tout le monde, c'est Engou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte avec Dead Cells sur PC. Un jeu en accès anticipé, un jeu qui est bon, un jeu qui est bien. Enfin je dis ça mais en fait j'en sais pas grand chose. Je ne vous retranscris que les avis que j'ai pu lire sur Steam. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un jeu qui est quand même assez difficile. Une sorte de die and retry, admirez un petit peu mon anglais quand je parle. Concrètement, un jeu difficile mais qui est plaisant à jouer. Encore une fois, les ténors du genre sont Demon's Souls, Bloodborne, etc., etc. Ici, la particularité, vous le voyez à l'écran, c'est qu'on a quand même des petits graphismes aux petits oignons, à l'ancienne, rétro, avec quand même... Voilà, on est rien que sur le menu, je trouve que le menu est juste super joli. Mais voilà, Die and Retry, ça ne veut pas forcément dire que ça, c'est pas parce que c'est dur que c'est forcément mauvais. Quand c'est bien ficelé, quand c'est bien mené, je pense qu'on peut avoir quelque chose de plutôt positif. Bref, sans plus tarder, lançons-nous sur une nouvelle partie. Alors, avant que j'oublie, je suis sur manette. Le jeu conseille carrément dès le début de la partie. Donc là, si je touche, si je touche le clavier, vous voyez le petit message en bas écrit en rouge. Il est fortement conseillé de jouer à Dead Cells avec une manette. Hop, là, je repasse à la manette. Du coup, ça disparaît. Donc vraiment, c'est un jeu, je pense, qui est quand même assez vif, assez technique. Et d'après ce que j'ai pu voir sur les screenshots et les vidéos, je pense que vraiment une manette, c'est pas négligeable. Non, je me suis trompé. Alors, il faut jouer avec le pavé directionnel parce qu'avec le joystick, ça a tendance à être un petit peu très, 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 très sensible. Allez, c'est parti. Découvrons ensemble ce titre. D'accord. Ok, très bien. En fait, on est une sorte de cadavre qui vient d'être possédé par une substance assez particulière. Alors, on va... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je joue comme ça. Mais moi, j'ai plus l'habitude de jouer avec les joysticks. Donc, après, c'est peut-être un coup à prendre. Donc, on a la roulade, on a le saut, la petite attaque de mêlée. J'essaie les gâchettes. On a... Ok, on a la map. Donc, bah écoutez, c'est parti. On se lance. Ah oui, moi j'ouvre la porte en la défonçant, le double saut, pour l'instant c'est très très classique. Vous ne seriez pas le prisonnier décapité, vous? Mais il parle pas. Vous avez perdu votre langue? Oh oui, pardon, vous n'avez plus de langue. Cela doit être étrange de revenir d'entre les morts. Vous avez sûrement remarqué, non? Vous ne pouvez plus mourir, j'ignore pourquoi. Mais vous n'êtes pas le premier dans ce cas-là, si c'est votre question. Vous avez mieux à faire, ok. C'est parti. Là je vais récupérer des armes, armes secondaires, RB, ok on récupère, on récupère. Ah mais je peux pas, ok c'est soit le bouclier, soit l'arche. Enfin l'arc pardon, c'est genre. Du coup, bon, on va utiliser ça. On va rester en attaque de mêlée. Ok, on récupère des petits cristaux, des petites sortes de d'argent. Ça me servira très certainement pour acheter du matériel. La petite roulade qui va bien pour esquiver les flèches. Arc de glace. D'accord, ok, j'ai récupéré un arc de glace. Ah non, un schéma. Donc ok, donc ça veut dire que je pourrais très certainement le crafter. Une petite bombe avec RT, on va la garder. Est-ce que je peux aller en dessous? Oui. Ah zut, d'accord, je savais pas. Ah. Ouais, ça va prendre en compte. En fait, je perds pas de vie, mais quand je fais une chute trop haute, pendant quelques instants, mon personnage est étourdi. Ah, je dois faire un choix. Très bien, bah, on va augmenter sa vie. Oh yeah. Salut les gars, on se met bien. Pour l'instant ça c'est assez facile, j'avais lu Die and Retry mais pour l'instant, en même temps je me suis pas fait toucher encore une seule fois, je sais pas du tout quels dégâts les adversaires peuvent me causer. On va continuer vers le bas. Au niveau du speech, bon, c'est pas grand chose, hein. C'est juste un mec qui se réveille comme ça, possédé par une sorte de... d'esprit génétique. Ok, donc là je peux acheter différentes choses.
Ouais, bah en fait, je sais pas trop à quoi ça sert. Écoutez, on va économiser, on va rien dépenser pour l'instant. On va continuer l'histoire. Histoire qui, soit dit en passant, ne... pour l'instant, encore une fois, on sait pas grand-chose du jeu. Je ne peux pas ouvrir l'ouvrir d'ici, oula. Ah, mais le mec peut carrément jeter des trucs à travers les murs. Zut, 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 zut. Ok. Ok, ça c'est quoi ce truc brisé? Comment je fais pour aller là, moi? Waouh, waouh. Ça commence à être un peu plus compliqué. Porte ouverte, ok, ça m'a permis d'ouvrir la porte qui était juste en haut. On va tous les tuer avant. Monstre. Oh. Faut que je fasse gaffe aux petits monstres jaunes là. En fait, il se lance sur moi. Vous avez ramassé bouclier solide. Ok, permet de débloquer les attaques et d'étourdir les ennemis. Ah oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que depuis le début, j'ai un bouclier que j'utilise pas. Ah oui, mais du coup, je... Ah, c'est à moi de choisir. Ok, par quoi je veux le remplacer? Ok, bah par ça. Non, toujours pas. Quel objet remplacer? Bah ça, je veux qu'il me remplace le vieux bouclier en bois. D'accord, mais du coup ça m'a changé la touche. Ok, mais moi je veux qu'en fait croix ce soit le coup d'épée. Comment je fais? Inverser. Voilà. Ça va, ils ont pensé un petit peu à tout, c'est bien, c'est bien. Donc ici ça m'a permis juste de récupérer un bouclier un peu plus solide. Est-ce que je peux... Ouais, non. Bloquer. Ah oui, mais non, je suis bête, j'ai pas vu. Je peux descendre ici. Voilà. Donc la roulade permet de passer à travers les défenses ennemies. Oh, purée. Petite bombe. Ah mais carrément ça le protège. Oh là 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 là. Ouais. La vie quand même descend super bien. Faut vraiment que je fasse attention. Hop, de la vie, santé augmentée. Bain de sang. Ouais, c'est une nouvelle épée. Je suis quand même assez concentré pour l'instant. Désolé, je vous commente pas forcément ce qui se passe à l'écran. C'est peut-être aussi bien. Et là, on voit mon personnage qui pisse le sang. Il va falloir que je sois bien plus prudent maintenant. Alors attendez, est-ce que c'est un boss ce truc? Ça en a tout l'air comme ça, on dirait une sorte d'arène, c'est bizarre, on va voir. Regardez qui voilà. On m'appelle le collecteur, je suis ce qui se rapproche le plus d'un type fréquentable ici-bas. En échange des cellules trouvées sur tes ennemis, je peux t'obtenir quelques petites choses utiles. Si tu trouves des schémas, je te donnerai accès à des objets plus expérimentaux. Expérimentaux, dirons-nous. D'accord, ok, très bien. Donc c'est les schémas que j'ai trouvés jusqu'à présent. Il peut très certainement me les éclaircir, me les découvrir pour moi. Donc là, il y a l'épée bain de sang. Condition de rempli, débloquer potion de soin. Ah non, mais abusé. Condition de rempli, débloquer... Ouais, potion de soin. Et potion de soin, je fais comment? C'est ça, potion de soin? Ouais, c'est ça. Je fais comment? Ok. Amélioration permanente obtenue. Potion de soin. Vous disposez d'une fiole de soin utilisable à tout moment. Donc ça va m'être utile. Et du coup, je peux me faire plaisir avec les armes. Ok, très bien. Bon, on va prendre celle-là, bain de sang. Provoque des saignements, 18 de dégâts par seconde. Je peux même encore l'upgrader. Mais là, il m'en faudra 10. Voilà.
Donc apparemment oui, j'avais pas fait attention, mais ce que je récupérais là, les espèces de cellules qu'ils appellent, c'est l'espèce de truc bleu là, comme ça qui brille. Tout ce que tu achètes chez moi est permanent, même la mort ne saurait t'en priver. Autant dire que tu as tout intérêt à me ramener d'autres cellules si tu veux plus de puissance. Bon, et maintenant prisonnier hors de ma vue. Ta présence m'ennuie. Ouais bah attends, dit-il alors que je viens de lui donner... Oh yes. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est quoi ce truc? Fiole de soins remplie et santé restaurée. Ah mais ok, en fait je pensais que la fiole de soins là que j'ai débloquée juste avant, je pouvais l'utiliser autant de fois que je voulais. Dans ma tête je me suis dit, c'est bizarre parce que le jeu quand même se veut dur, alors si on peut se soigner quand on veut, d'accord. D'accord, en fait il faut que je trouve des espèces de grosses fioles comme ça d'alchimiste pour la remplir. Promenade des condamnés. Par contre, j'ai toujours ma vieille épée pourrie là. Comment je fais pour... Je sais pas. Je ne sais pas du tout comment je dois faire pour la récupérer. Bah, le jeu, pour l'instant, est plutôt sympa, hein. Même si je vous avoue que je suis pas trop fan des jeux où au niveau scénario, on sait pas trop pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là. Bon, il y a sûrement, je pense que ça va s'expliquer au fur et à mesure de l'aventure. C'est des pièges, c'est des pics, ça. Hein. Oui, voilà, comme ça, moi, on est au courant. Oh là là, mais attendez, je les touche à peine, les trucs. D'accord, mais en fait, moi, depuis le début du jeu, je défonce les portes alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Aucune destination disponible. Ok. Récupérer ça. Donc la vie, la force, la technique augmente les dégâts des compétences actives et réduit leur délai d'utilisation. On va faire ça. On va augmenter un petit peu les dégâts. On va tout viser sur la force et la vie. Je sais pas si c'est un bon choix. Non, non. Ok. Dégâts des armes augmentées, bah tiens, génial. Hop, une petite cellule. Ok, on va faire quand même attention. Par contre, on peut pas attaquer. Ah si, on peut. On peut, mais par contre, il lâche. Je disais, on peut pas attaquer quand il est sur une chaîne, mais dès qu'on attaque sur une chaîne, il la lâche. Oh, la petite esquive qui va bien. Au moment où il va m'attaquer, je fais une petite roulade. En fait, la roulade est vraiment importante. Ça vous permet de vraiment, vraiment esquiver les attaques. Chatouiller. Ouais, mais en fait, on dirait que c'est ce petit truc là qui est rentré en moi là tout à l'heure. Je sais pas quoi c'est ça. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, le die in retry, on repassera. C'est quoi ce truc? Ah oui, d'accord. Non mais oh, wow. Non mais ouais. Non mais non non. Ok. Je savais pas. Purée. Oh, je vais crever. Concentration! Ah! Non, purée! Non! Corps détruit, vous avez perdu 7 cellules. Ah, mais merde, je perds mes cellules quand je meurs. D'accord, ok. Donc en fait, vraiment, c'est pour ça qu'il y a aussi des téléporteurs. D'accord, je suis rentré sur un autre gars. Et du coup, qu'est-ce qui vient? Déjà de retour, ça n'a pas l'air de s'être très bien passé pour vous, on dirait. Bah non, je me suis fait défoncer par un gars qui tirait plein de flèches. Vous avez remarqué que tout semble différent à chaque fois? On croirait presque que cette île est vivante. C'est ridicule, n'est-ce pas? Ah, mais attendez, ça me rappelle un jeu que j'ai fait il y a pas très longtemps, que j'ai pas encore uploadé sur YouTube, mais qui est un petit peu dans le même registre où en fait, à chaque fois où on meurt,
on réapparaît. Enfin, on réapparaît dans une nouvelle arène. Et en fait, ils appellent ça un roguelike. Très bien, très très bien. Du coup, je recommence vraiment à zéro, quoi. Enfin, pas forcément totalement à zéro. Parce que j'ai encore... Ah non, mais même ma vie... Attends, mais je comprends pas. Le mec, là, le marchand, il m'avait dit que... Que même si je mourais, je sais pas quoi, je... Je perdais... Oh la vache. Attendez, je vais avoir une petite conversation avec lui, parce que là, il se fout de ma gueule. Cette jolie pierre vous rapportera 500 or, ma précieuse. D'accord. Yeah. Du coup, j'ai tout perdu. Ma vie, mon équipement. Ah, oh, c'est abusé quand même. Oh, purée. Fasse attention, en fait chaque monstre est quand même assez différent, quoi. Eux ils balancent des trucs rouges, les verts là, l'espèce de ouais de jaune vert, ils se jettent sur moi et c'est bien souvent eux qui me font plein de dégâts. Wow, wow, ouais, bien bien bien, le petit bouclier il est mieux que le précédent que j'avais tout à l'heure. Non. Mais oui, mais d'accord, en fait, je me suis gouré. Ouvre-toi. Quel objet remplacer? Ça. Voilà, et du coup, il faut que je fasse comme ça, je suis plus habitué. Et toi, tu vas te calmer tout de suite, là. Il va me sauter dessus. On va tester le bouclier. Ah, mais le bouclier, il est pas indéfini. Ouais, il est pas... On peut pas l'utiliser autant tant qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es jaloux. Ok. Vas-y, vas-y, attaque. Voilà. Dans le dos. Où j'ai récupéré quoi? Une méga bombe. Bombe vivante. Hein, bah, je récupère plein de trucs là pour l'instant. C'est plutôt cool. On va augmenter la vie. Comme ça, ça va. Ah non, j'allais dire ça va me soigner, mais non, même pas. Petites cellules qui vont bien. Wow, attendez. Se calme. Là. Donc. Est-ce que je vais me retrouver là où j'étais tout à l'heure? Ouais, avec le gars là, le marchand. Alors toi, on va discuter parce que tu m'as dit des conneries là. Non, ouais. Non, en fait, non. Il a pas dit de conneries. Ça a fait. Effectivement, ça a bien sauvegardé. Que j'avais débloqué précédemment. D'accord, bon. Bah écoute, bain de sang, je veux bien le faire ce truc, mais j'ai pas l'arme en fait. À moins que ce soit ici. Où est-ce qu'on la récupère? Non, je sais pas. Rempart, ça c'est le bouclier. Ah oui, d'accord, ça c'est ce que je viens de récupérer à l'instant. En fait, je pense que j'augmente effectivement les armes. Mais j'ai pas forcément besoin d'avoir récupérer les armes dans le jeu pour les augmenter. Je crois, je suis pas sûr. Je sais pas si j'ai été bien clair, mais je crois que c'est ça, ouais. Donc cette arme là, quand je vais la récupérer, l'épée bain de sang, eh ben elle sera déjà au level, je sais pas à quel level elle est, mais je l'ai déjà un petit peu EP. Mais il y a qu'une épée dans le jeu. Ah oui, non, en fait non, il y a pas qu'une épée. Il faut que je trouve des schémas pour avoir des nouvelles armes. Bah écoutez, on va l'EP encore un petit peu. Bim. Voilà, arme améliorée, bain de sang. Ah, celle-là, quand je vais la... Attendez, non. Faut que je pense à un truc, c'est que dans ce jeu, quand je meurs, je perds toutes mes cellules. Alors, autant toutes les utiliser. Ça, c'est quoi? Sauvetage de l'or. Ok, vous conservez 25% de votre or en mourant. Très bien, ça c'est important. D'accord. D'ailleurs, l'or, je sais pas trop encore à quoi ça sert, parce que... Ah oui, ah bah... Ouais, je sais pas. Peut-être que si je trouve un marchand qui me vend justement les armes...
Cette porte ne s'ouvrira pas si j'ai encore des cellules sur moi. Bah. Ok, parce que. Désolé. Pardon, j'ai pas fait attention. Voilà. Du coup, on remplit la fiole. Hop. Voilà, santé restaurée. D'ailleurs, je suis trop bête. Je suis trop bête. Tout à l'heure, je suis mort face à l'archer, mais pris dans l'action, et vu que je débute avec ce jeu, j'ai complètement zappé, mais j'avais une fiole de soin, j'aurais pu l'utiliser, et peut-être j'aurais pu le tuer. D'accord, bon, bah écoutez. On va aller le tuer. Et... On se calme. On va le tuer, je vais vous donner après mon avis sur ce jeu. Franchement, pour l'instant, je trouve le jeu plutôt cool, plutôt sympa. C'est assez original, le fait de mourir, de perdre un petit peu tout son... entre guillemets, tout son stuff, oui et non. Mais ouais, je trouve ça plutôt cool. Oula, c'est un nouveau, lui. Non. Ah ouais. Ouais. Attends, il y a des pics ici, on va pas aller là. Hein. Alors attendez, j'ai fait un truc bizarre tout à l'heure. Ou genre une espèce d'attaque. Ok, ça passe. Alors lui, je vais pas le tuer parce que j'ai pas envie de prendre de risque. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont des boucliers? Ce gourou de touche, j'allais me soigner pour rien. Des fois... Ah mais ça c'est un ennemi ce truc. Je pense que des fois la fuite est la meilleure. Non. Non. Oh putain, mais il y en a de partout. Ah mais ils sont en mode hardcore là ou quoi là? Hein? Oh la vache. Non. Il se télétransporte carrément. Bon, très bien. J'ai l'impression que plus ça va, plus le jeu devient dur quoi. On va augmenter la vie, on augmente la vie les gars. Quoi ce truc? Ouvrir. Cette porte a été condamnée il y a 1 minute 21 secondes, dommage. Comment ça? Est-ce que je suis chronométré aussi? Bon. Et ouais, mais je remonte comment? Ok. Justement, ça se trouve, je suis en train de penser, l'archer qu'on a croisé juste avant, il va peut-être pas être là, hein, vu que tout se modifie à chaque fois. Ou pas. Attention, réponse dans quelques instants. Non, il est peut-être en bas. Ouais, je crois qu'il est là. Alors, je vais pas parler, je vais essayer d'être un petit peu plus concentré. On se retrouvera après la petite bataille. Ouais, mais non. Abusé là. Yes. Ouh. Ouah, j'étais pris dedans là. Heureusement que j'avais ma fiole de soin parce que je pense qu'autrement j'aurais pas gagné. Rune des vignes, cette rune permanente vous permet de faire pousser des vignes grimpantes. Très bien. Il a un petit côté shinobi le mec. Hein. Rune des vignes, cette rune permanente vous... Oui bah c'est très bien. Permanente, une rune permanente. Donc je peux l'utiliser autant de fois que je veux, c'est ça? LB, non, ma fiole est vide. Ouais. Ah il est blessé, c'est marrant, il y a des petites animations quand même. Ah ok, non mais c'est ça en fait, c'est les fameuses vignes. Bon écoutez, on va pas aller plus loin, j'ai pas envie que ma vidéo dure éternellement parce que le jeu, je sais pas du tout la durée de vie du titre. En tout cas, jusqu'à présent, je trouve le jeu plutôt sympa. Il faut passer outre les graphismes, mais ça encore une fois, je pense que si vous aimez pas tous les jeux en pixels, bah, eh bien vous avez déjà quitté cette vidéo. Pour les autres qui êtes restés, je pense que c'est parce que vous êtes un tant soit peu amoureux des jeux à la difficulté, comment dirais-je,
un peu plus rehaussé par rapport aux normes actuelles. Et puis au fait qu'on retrouve quand même un certain charme d'antan. C'est-à-dire que là je suis en train de jouer, mais j'ai l'impression aussi de jouer au premier jeu qu'on pouvait découvrir sur Sega, sur Super Nintendo, sur NES, etc., etc. Donc c'est pas forcément nostalgique, franchement c'est un jeu je pense qui est quand même à essayer. Le fait de pouvoir améliorer son personnage comme ça, d'upgrader ses armes, c'est toujours intéressant. J'aime bien cet aspect un petit peu d'upgrading, je sais pas si ça se dit, mais bon, enfin bref, vous m'avez compris. Pour le reste, eh bien écoutez, je pense que c'est un bon jeu. Je vous le recommande. Écoutez, je pense que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné une idée du titre. En attendant, eh bien, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.